J'ai fait un petit questionnaire pour les filles. Je peux te poser des questions, tu réponds, tac au tac. Vas-y, vas-y, pose-moi les questions, je vais répondre, Marie. Est-ce que tu as déjà Ah là là là. léché les deux bouts d'un mec? Arrêtez, arrêtez, j'ai rien fait, ne faites pas de mal. Qu'est-ce que vous avez là? Donne-moi tout l'argent que t'as sur toi, s'il te plaît. Mais c'est l'argent qui va. Mais pourquoi je dois donner cet argent? Cet argent est important. Il va servir à payer ta pute de mer dans l'autre rue, c'est la 42e. On y va! Et il parle correctement. Et ta mère, elle serait fière de toi là, à ce moment-là. Hein. Je m'en bats les couilles. Comment ça, tu m'en bats les couilles? Bah voilà, voilà. On t'apprendra les respects et l'éducation. Ta grand-mère, fils de pute, ta grand-mère. Voilà, c'est comme ça, monsieur le fondacon. T'as fait les couilles. T'as dit quoi là? T'as dit quoi? Maintenant, tu t'excuses. Oui. Oui, ne vous en faites pas, tout va bien. Ok, ouais, ok. Ah non, maman. Non, là, c'est trop. Est-ce que, deuxième question, est-ce que tu t'es déjà fait foudroyer? Est-ce que tu as déjà pris la purée en pleine face? Tout dépend, c'est très tactique. Vous faites quoi là? En plein milieu. Vous faites quoi là? Tu prends l'apéro? J'ai fait un questionnaire, j'ai fait ça aux filles des fois. Vous répondez au tac au tac. On va essayer. Est-ce que tu as déjà léché les deux bouts d'un mec? Bah oui. Ouais. D'accord, j'ai noté. Est-ce que tu t'es déjà fait foudroyer? Oui. Et pour, en combien de rounds pour te mettre KO? Alors là, c'est jamais arrivé. Voilà, autour, bien sûr, faut pas qu'il y ait de professeurs et de langage d'enfants, en fait, dans une cour de récré, par exemple. Mais... Manger le fiac, connasse. J'ai utilisé. Je pense pas, non, ça ne me dit rien. Par contre, moi, ma traite est de renard. Parce je vous ai clairement entendu et vu. Dire ces choses-là. Du coup, ça va être très simple. Manger fiac, c'est du RPQ, donc c'est un ban perm. Pardon ? Est-ce que t'as déjà léché les deux bouts d'un mec ? Yes. Ah là, je l'avais pas vu, la petite coquine. Ok, je vais. Attends, t'en bois. Vas-y, bois. Okay. Vas-y. Il y a le facteur. J'arrive pas à boire comme ça, en fait, c'est l'eau. Si, si, vas-y, bois bien. Non, mais l'eau, elle est. Bois bien, vas-y, vas-y, bois bien. En fait, faut que je la prenne. Bois bien, voilà, secoue-la. Non, mais faut que je prenne l'eau, en fait. Secoue-la, vas-y. J'arrive pas à faire secoue-la, monter. Fort. J'arrive pas à faire monter l'eau. Oh, oh non. Oh non, l'enculé. La diagonale, elle est parfaite, là, les gars, non? Je vais le mettre ici. Et voilà. Non, mais frère, c'est trop, c'est trop. Ah, oh, c'est trop, c'est vrai. Wesh, baisse ta mère la pute. La vie de ma mère, tu m'as dégoûté. T'as avec ta cigarette, là. C'était une crasseuse ou quoi, là? T'es sérieuse? Arrête de fumer, ça tue l'amour. Mais, attends, excuse-moi. Est-ce qu'on t'a demandé, quoi? On t'a demandé ton avis? Mais la plupart, là tu te mets une barrière devant plein de mecs en fait. Mais en fait. T'es en train de tout niquer. En fait, ce que tu comprends pas, c'est que j'en ai rien à foutre. Moi, je suis pas ici pour trouver l'homme. Je suis pas ici pour trouver mon homme en fait. Non, non, l'OVO, c'est une application de rencontre. Moi, ici, je suis là à chercher l'amour, à parler à des meufs. Je veux pas qu'il y ait une meuf qui salit l'application avec sa cigarette. C'est Vas-y, ça casse les couilles. Moi, je pensais que j'ai regardé les photos. Tu me donnais grave envie là. Je débande maintenant. La vie de ma mère. C'est beau. Déjà, si tu bandes sur mes photos, déjà, j'ai même pas parlé. Ça crasse. Et là, tu me craches dessus, sale bouffon, va. Putain, il est sérieux, le gars qui est passé avant?
pas dessus comme ça, t'as un ouf. Mais je crie si je veux. Putain, mais t'es qui pour me dire que j'ai pas à crier? Toi, t'es qui pour me crier dessus, toi? Bah, je suis moi, voilà, je te crie dessus. Bah, tu me cries pas dessus, tu. Ouais, je te crie dessus, même si je veux te chuchoter, je chuchote. J'en ai rien à branler, t'es qui? T'as le même père que mon âge, frère. T'as le même âge que mon père, frère, calme-toi. T'as le même père que mon âge. Eh ben, moi, ça me dérange pas de te baiser quand même, j'ai toujours aimé les jeunes. Pardon, sale bouffon, gros. Nique tes morts, ça fou, gros. Vous allez claquer là, c'est... Payez l'antichi. Ça va être explosé là, on va exploser. Mais oh, arrêtez, on va exploser. On va exploser là, arrêtez. Barrez-vous. Mais comment, mais c'est quoi ce bordel là? C'est la guerre, c'est la guerre. Mais c'est quoi ça? C'était quoi ça? On avait fait de tickets, il y avait c'est là que j'ai appris d'ailleurs grâce à Mathéus que c'était des streamers dont le passe-temps était de foutre la merde sur les serveurs. C'est là que j'ai découvert une vidéo d'eux, parce que je suis allé voir un peu leur contenu, et en fait ils ont des vidéos, c'est genre alors, je vais pas donner leur nom évidemment, mais ils ont des vidéos là ça va être un florilège pour vous donner l'ordre d'idée, la mentalité des gens. Lui on voulait pas les gars, il va nous faire rire. Il leur dit d'aller se faire brouter la schneck. Je me fais kidnapper par un gang de racailloux là. Oh, ça va en vrai. Troll Discord avec J. J'ai changé le titre parce que Zeni à la base il avait mis par un gang d'arabageois. C'est moi qui mis racailloux. Heureusement, parce qu'il a dit non, bon ça va. Gilou kidnappé par une meuf, obligé de la doiter pour s'enfuir. Il m'oblige à me branler dans un cimetière avec Batman. Ouais, ça, c'est le nom de leur vidéo, de leur rediff. Ah bah. Ça, c'est une belle frappe chirurgicale. Super bon. Très très bon code B. Mettez une note, les gars. Ça, c'est sur YouTube. Ça, c'est sur YouTube. Allez, regardez, je vais pleurer. Un truc. Hey, je t'en veux pas, frérot. T'es vraiment le meilleur, gros. Ça, c'est un passage, je crois, que j'ai vu hier. Barbelé. Moi la bite avec du barbelé tout de suite maintenant. Putain, tenez vos gosses en plus là, sérieux. Il y a que des pères célibataires de merde sur ce live. J'en peux plus, putain. Mais il a dit quoi? Il y a des mères célibataires de merde sur ce live. Mais elles sont où les vraies meufs solo quoi, qui ont 20 piges, qu'on peut défleurer dans une, à l'arrière d'un pick-up, j'en sais rien moi, tranquillement la nuit. Là vous êtes tous en train de tenir vos gamins là. Il est arrivé des trop smiches avant qu'il tombe un bouton. Oh putain! Mais casse tes couilles, sérieux! Est-ce que tu as déjà léché les deux putains, mec? C'est-à-dire que j'ai vraiment déjà léché les deux boudins, mec! Pas une, mais deux boudins, mec! Oui, je vais aller, montez un peu. Je viens avec vous. Je vais le garder sur le cœur. Vous présentez très bien. Je sais. Ça va, salam? Ça va? Pardon? Ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Qu'est-ce que tu fais spécial? Bah rien, je live. Ah. Comment tu t'appelles? Drea, t'as pas vu? Non, on a les mêmes cheveux. Quoi? Non, on n'a pas les mêmes cheveux. Hein. Si, sauf que toi, ils sont un peu plus gras, j'ai l'impression. Un peu plus quoi? Un peu plus gras. Tiens, je vais rajouter du gras encore. C'est la fin de la vidéo, et t'es tout triste. Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche, hein, et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri. Allez, à ciao, bon dimanche.